Bonjour Pierre. Je suis vraiment très contente que tu sois à Potsdam et tu es venue pour un colloquium hier. Tu étais quelques jours à Berlin, avant ça à Bonn, et tu nous as présenté des travaux très intéressants autour du groupe symétrique et des diagrammes de Jung. Peut-être tu veux en dire quelques mots? Ben, il s'agit de développement assez récent. S'appuyant sur une étude préalable qui avait été faite par l'école de Saint-Pétersbourg, Verschik, Kerhoff et compagnie. Et il s'agit d'une traduction, fondamentalement il s'agit de théorie des groupes, représentation des groupes symétriques, diagramme de Jung, et surtout de l'aspect probabiliste, l'aspect asymptotique pour des très grands. Quelle est la forme limite d'un diagramme de Jung aléatoire, quoi. Whatever. Je dois dire, en t'écoutant, j'étais à la fois surprise de voir apparaître des probabilités là où je ne les attendais pas, oui. Et en même temps pas, puisque je sais que dans ton parcours scientifique, les probabilités ont joué un rôle important, elles ressurgissent régulièrement. Alors, donc tu as passé quelques jours à Berlin, est-ce que tu étais déjà venu à Berlin par le passé, est-ce que tu viens souvent, et qu'est-ce que tu associes à cette ville, soit personnellement, soit mathématiquement? Ben, j'ai visité trop peu Berlin. Je suis allé à Berlin-Ouest dans les années 60, donc une époque assez sombre, bien sûr, et puis bon, il se trouve que j'étais pas persona grata pour les divers régimes communistes, pour diverses raisons, et que j'ai jamais pu obtenir un visa pour l'Union soviétique, et pour l'Allemagne de l'Est, ça aurait peut-être été un peu compliqué. Par contre, je suis revenu là pour la première fois après le changement, je suis revenu il y a 4 ou 5 ans, pour un colloque qui était organisé à Lutherstadt par les physiciens du DESY. Ah, oui. Donc c'était l'aspect calculatoire numérique de la théorie quantique des champs. Bon, j'ai participé à ça. Et puis, à cette occasion, j'ai juste jeté un petit coup d'œil sur Berlin, assez pour ne pas être perdu quand je suis retourné tout à l'heure à la Hauptbahnhof. Bon, la Hauptbahnhof, elle était encore dans mes yeux. Mais bon, j'espère que j'aurai 2-3 jours pour vraiment profiter du Neues Berlin. Et mathématiquement, tu l'associes à quelque chose? Alors, je sais que tu as des interlocuteurs privilégiés à Berlin. Ah ben, c'est surtout Dirk Kreimer. Dirk Kreimer et ses collaborateurs, que je connais tous. D'ailleurs, nous avons des étudiants en commun, en particulier une jeune qui s'appelle Claire Glanois, qui a commencé comme étudiante avec moi, puis maintenant elle est avec Dirk pour terminer sa thèse. Donc, bon, les intérêts scientifiques, ce sont ceux de Dirk Kreimer à la Humboldt. Mais j'ai pas eu de collaboration vraiment suivie jusqu'à présent. Bon, Et tu as fait un exposé, je crois, lundi. Oui, j'ai fait un exposé. Ben, c'était sur quelques développements nouveaux sur ce que j'ai appelé un peu pompeusement le groupe de Galois cosmique. Ah oui, fameux groupe de Galois. Oui, c'est vrai, Galois cosmique. Tu peux nous en dire, parce que rien que le nom est vertigineux. Alors, le groupe de Galois cosmique, c'est un programme et non une conjecture, je précise. Parce que si j'avais fait une conjecture, elle aurait été trop précise et j'aurais été démenti. Bon. Mais c'était un programme de recherche qui disait que dans la théorie des particules élémentaires, à côté des groupes de symétrie que tout le monde voit, c'est-à-dire le groupe de Poincaré pour la géométrie, les groupes de jauge pour les champs, il y en a sans doute un autre. Il y en a un autre dont l'origine est la suivante, mais qu'il faut découvrir, et j'ai eu quelques propositions, mais enfin aucune n'est vraiment sous forme définitive, c'est que ce que nous appelons le modèle standard en théorie des particules, c'est un modèle très très compliqué. Alain Cohn a réussi à lui donner une forme synthétique qui tient en une demi-ligne, mais ensuite il faut la développer. Mais quelle que soit la présentation, il y a une vingtaine de constantes numériques, sans dimension, que l'on ne peut mesurer que par l'expérience, qui sont du data fitting, avec les expériences innombrables qui ont été faites essentiellement au CERN. Donc il y a 20 paramètres numériques, purement numériques, qui apparaissent là. Le plus ancien, c'est la constante de structure fine en électromagnétisme, c'est-à-dire alpha qui vaut approximativement 1 sur 137, qui a fait beaucoup, beaucoup saliver ce 1 sur 137 autrefois. Bon, et il y a une vingtaine de constantes, les rapports des masses entre les diverses particules, personne n'a d'explication pour ces constantes.
on les détermine par l'expérience, en faisant un data fitting de plus en plus précis avec toutes les observations. Aujourd'hui, on peut dire que ces constantes sont définies avec certaines avec une très très grande précision, 10 ou 12 chiffres décimaux, d'autres avec au centième, mais enfin bon, on a ça. Et quelle est l'explication de toutes ces constantes? Est-ce qu'il y a un ordre dans tout ça? Alors bon, pour nous qui sommes habitués à ça, un ordre en physique, ça veut dire dans le modèle un groupe de symétrie nouveau. Bon. Alors, ce groupe de symétrie, je l'ai appelé tentativement groupe de Galois cosmique. Alors, c'est en fait, ça vient de la comparaison entre les méthodes de Grothendieck du groupe de Galois motivique et les méthodes de Kornack-Reimer qui représentent la renormalisation dans une perspective nouvelle. Perspective nouvelle, beaucoup plus algébrique que tout ce qui avait été fait avant. Bon, alors, alors, ce groupe devrait agir sur les constantes. Devra agir sur les constantes et expliquer pourquoi les constantes ont ces valeurs numériques. Alors, naturellement, c'est beaucoup plus compliqué. Et à l'époque, Broders et d'autres avaient fait une grande conjecture que les seules constantes qui apparaîtraient explicitement pour les calculs, ce seraient ce qu'on appelle les valeurs de zeta multiples, MZV. Bon, Broders avait des résultats numériques absolument énormes avec qui il avait obtenu avec Kramer et qui semblait justifier ça. Et puis, le nouveau venu dans ce champ, qui est mon ancien élève Francis Brown, a tout bouleversé. Il a trouvé au contraire des constantes qui n'appartenaient pas à ce truc-là. Mais ça ne détruit pas l'idée du programme. Ça ne détruit pas l'idée. Donc l'idée, c'est de combiner Grothendieck et son groupe de Galois motivique est déjà un nom magique, bien entendu, le groupe de Galois motivique avec le groupe de renormalisation. Et l'idée étant que jusqu'à présent, dans les études sur la renormalisation, on a toujours un groupe et un paramètre, mais en fait, il y en a plusieurs qui se recombinent en un groupe non commutatif. Mais ça, c'est l'avenir. Donc c'est un programme qui est pour peut-être les 20 ou 30 années à venir et qui devrait apporter une des clés du modèle standard. C'est vraiment la dernière question vraiment difficile du modèle standard, d'où viennent ces constantes? Et on en a obtenu une nouvelle, puisque récemment on a su que les neutrinos dont on pensait qu'ils n'avaient pas de masse ont des masses, donc il faut aussi les mettre dans le modèle. Il faut les mettre dans le modèle, voilà. Alors donc, comme tu nous le confirmais hier, quand on mangeait au restaurant ensemble, après ton exposé, les groupes te traversent ton parcours mathématique depuis longtemps et t'accompagnent depuis longtemps, c'est un fil conducteur. Et là, il est devenu cosmique. Oui. Bon, j'ai l'habitude de dire que il y a un château sans souci, qui est peuplé de groupes et de fantômes qui sont des fantômes de groupes, et c'est un château dans lequel j'habite. Il est peuplé de groupes de toutes les dans beaucoup de traditions différentes, et ça, c'est mon point central de repli. Mais il y a beaucoup de portes qui ouvrent sur le parc, il y a beaucoup d'allées dans le parc. Et une fois qu'on est dans le château, ben on peut faire une promenade dans ces directions-là, une promenade dans ces directions-là, une promenade dans ces directions-là. Et c'est toujours fructueux de faire ces promenades, mais ensuite on revient. Donc pour moi, c'est le cœur de mon inspiration. Ah, peut-être pas l'unique, mais enfin c'est un des foyers de mon inspiration mathématique. Et ça n'est pas par hasard, parce que le premier livre que j'ai lu, mathématique sérieux que j'ai lu, c'était Gruppentheorie und Quantenmechanik d'Hermann Weyl. Je remercie ma mère de m'avoir appris l'allemand très tôt, qui m'a permis de lire ces livres fantastiques en allemand alors que j'avais 15 ou 16 ans, et qui ne sont, même ce que c'est l'allemand, ils ne sont pas faciles. Bon. Donc, ça a été ma première inspiration. Et ensuite, bon, je me suis rendu compte que, partant de là, bon, ensuite, j'ai participé dans les années 50 à l'énorme développement des groupes algébriques, qui était un nouveau chapitre de la théorie des groupes. D'ailleurs, groupes algébriques, ils ont largement supplanté les groupes de Lie aujourd'hui. Bon, mais c'était une histoire fantastique où il y a eu Chevalet, où il y a eu Tietz, où il y a eu Grothendieck, moi-même et bien d'autres. Bon, et ça a été une période golden period, une période pour la théorie des groupes. Et en plus, nous avions justement, ma génération était la première à pouvoir faire la synthèse entre ce qui s'était fait autour de Gelfand pendant les années 40, dont nous n'avions eu pratiquement aucune communication vu la situation politique de l'époque, mais vers 45-46, les travaux de Gelfand sont arrivés chez nous et ils apportaient un point de vue
tout à fait différent. Et peut-être celui qui a le mieux fait la synthèse, c'est Alain Cohn, qui est parti de la théorie des algèbres d'opérateurs et qui a dérivé vers la physique mathématique, vers la théorie des groupes, etc. Donc, je veux dire que la période des années 50 est une époque absolument fabuleuse, fabuleuse, fabuleuse. Et d'ailleurs, bon, puisque Grothendieck vient de décéder, j'ai écrit deux articles sur lui qui sont déjà disponibles, et j'étais en train d'écrire un troisième qui se portera sur la première phase de la carrière mathématique de Grothendieck, la moins connue, parce que ce n'est pas sa grande époque de Bure et de la géométrie algébrique, c'est ce qu'il a fait avant, mais qui est solide et qu'on a un peu trop tendance à oublier. Et surtout, j'essaierai de montrer la continuité du développement. Donc je crois, puisque tu parles de Grothendieck, je crois qu'il t'a... Donc vous êtes côtoyé un certain temps, oui. Et il t'a marqué comme personne, et oui. Aussi scientifiquement, tu viens d'évoquer tout à l'heure les motifs qui sont effectivement des objets... Moi j'ai connu Grothendieck très tôt. Je suis arrivé à Paris comme étudiant en 1950 à l'école normale, supérieure de la rue d'Ulm. Et Grothendieck était à l'époque, il avait fait une année à Paris qui avait été un grand succès, mais ensuite il avait été à Nancy où ça avait été... Il s'était très très bien incorporé. Et moi je l'ai connu dès le début, je veux dire, je ne sais plus la date exacte, peut-être 52 ou quelque chose comme ça. Et nous avons tout de suite sympathisé, à la fois mathématiquement et aussi bon, personnellement. Il y avait beaucoup de choses en commun. D'abord, bon, sa mère était allemande, ma mère était presque allemande, donc ça nous emportait. Et je me souviens que quand je parlais avec lui au début, je sentais, il vivait avec sa mère et il ne parlait qu'allemand avec sa mère, et quand nous parlions ensemble, je sentais que dans son cerveau, c'était de l'allemand, et ensuite il me le traduisait en français, mais je savais assez bien allemand pour comprendre, quand la traduction était un peu maladroite, ce qu'il avait voulu dire. Donc, et puis nous avons, bon, Grothendieck était un esprit très très rebelle, très très rebelle. Bon, il avait un passé très compliqué, son passé familial est très très compliqué, explique en partie sa vocation de rebelle. Moi, je me croyais aussi une vocation de rebelle, bon, peut-être que c'était un peu plus forcé chez moi. Sage par rapport à lui. Oui, j'étais... C'est difficile d'être aussi rebelle que lui. Oui, non, j'étais très sage par rapport à lui, ça nous a d'ailleurs amené quelquefois à des difficultés, parce que quand on était en gros sur la même ligne politique, qui disons, on était bon, anticapitaliste, anticolonialiste, libertaire, etc. Enfin, on était en gros sur la même ligne, mais quand on était alliés politiquement et qu'il fallait mener une action ensemble, c'était toujours un cauchemar, parce qu'il arrivait comme le chien dans le jus de qui, alors qu'on avait préparé un plan politique très soigneux, méthodique, etc. Il arrivait, boum, avec son jus de qui, il bousculait tout. Donc, mais... Comme en mathématiques, d'ailleurs. Comme en mathématiques. C'était un homme qui bousculait. Mais je veux dire, on avait quand même suffisamment d'atomes crochus pour en profiter. Et j'ai, dès le début, étudié très à fond ce qu'il avait fait, sa thèse, etc. Et je me souviens que dès 1953, sa thèse n'était pas encore parue, mais Laurent Schwarz, qui venait d'arriver à Paris, qui avait été son directeur de thèse, nous a fait un séminaire auquel j'ai participé très activement, où il expliquait tout ce qu'il y avait de chez Grothendieck. Bon. Et ensuite, nous avons été ensemble dans le groupe Bourbaki pendant plusieurs années, et là aussi, nous étions très très proches, très très proches. Est-ce que tu penses qu'il a... Alors, il a bien sûr beaucoup influencé les mathématiques, tu as nommé quelques domaines dans lesquels il a eu une grande influence, mais est-ce qu'il a influencé la façon de penser les mathématiques? Oh ben, indéniablement. Et en quel sens? Ben, ça a été une bénédiction et une malédiction. Sa méthode à lui, c'est pas la méthode de la grenouille, c'est la méthode de l'aigle. La comparaison bien connue entre l'aigle et la grenouille, bon. Lui, il plane dans on dirait un drone aujourd'hui pour être à la mode. Bon, un drone, il était un drone. Il arrivait dans le ciel de très haut, il avait une vue absolument perçante, et il plongeait sur la proie comme ça, de 2000 mètres de haut, il plongeait sur une proie qui avait 3 cm. Donc il avait cette manière de voir qui négligeait les détails. Et il y a quelques épisodes bien connus, par exemple, quel est le nombre premier de Grothendieck? Alors c'était une discussion lors d'un de ces séminaires, un nombre premier pair. Quelqu'un le provoque un peu, mais enfin, choisis-en un, 57. Bon, ben, pour pratiquement tout le monde, 57 n'est pas premier, c'est 3 fois 19 ou n'importe quoi. Mais lui, ça ne le frappait pas.
j'ai constaté ça bien souvent avec lui, je veux dire, ça ne le frappait pas. Il était indifférent aux détails, il était régulièrement trop optimiste, Il se lançait dans des constructions, mais sa méthode était une méthode qui submergeait les problèmes. Il ne voulait pas s'intéresser aux détails. Bon, peut-être une des analogies, c'est la prise de Jéricho par Yoshua dans Josué, dans la Bible. Bon, ouais, l'armée de Josué tourne autour de la ville cette fois, et puis en jouant des trompettes, et à la fin, les murs s'écroulent d'eux-mêmes. Il n'y a même pas eu besoin de faire un assaut. Ben, ça, c'est typiquement la méthode de Grothendieck. Il ne fait pas d'assaut. Il tourne autour des fortifications, il fait des travaux de sape, il joue de la trompette, et à la fin, tout s'écroule de soi-même, et il a gagné. Bon, alors, c'est une méthode qui lui a réussi merveilleusement, mais quelques-uns, ensuite, ont voulu utiliser cette méthode-là, qui n'était pas la leur, et ça ne marchait pas. Le mépris des détails, ça, il y a un danger, pour ceux qui l'ont suivi trop près, c'est de mépriser les détails, et ça ne marche pas. Donc, il avait sa méthode, mais il faut ajouter quelque chose, modérer par quelque chose, c'est que Grothendieck, ce n'est pas une entreprise individuelle. C'est un trio ou même plus. Le trio le plus évident, c'est la collaboration de Dieudonné avec une puissance. Dieudonné était un homme d'une grande... Bon, ce n'était pas un progressiste. Mais, non, ce n'était pas un progressiste, mais c'était un homme d'une honnêteté absolument fantastique. Intellectuel. Mais moi j'ai vu, bon, parfois on avait des discussions politiques, bon, assez méchamment, mais enfin bon, entre nous, c'était amical, c'était méchant mais amical. Mais je veux dire, bon, il était d'une honnêteté absolue. Même quand il était totalement désaccord avec vous, il disait tu as dit ça, ah peut-être, etc. Bon, honnêteté. Alors mathématiquement, il était d'une honnêteté absolument imperturbable. Et il avait une puissance de travail et une puissance logique, et aussi une connaissance encyclopédique des mathématiques. Il a mis tout ça au service de Grothendieck. Il faut quand même réaliser qu'en 60, quand l'IHS a été fondé, Grothendieck a quoi, il a 32 ans, et Dieudonné en a 55. Et Dieudonné se met à son service, et lui sert de scribe. Après s'être mis au service de Bourbaki pendant des années et des années, bon, il s'est mis à son service. Or, tout les séparait. Le jeune anarchiste et le personnage assez imposant qui était Dieudonné est très respectueux des valeurs sociales, et des hiérarchies. Bon, c'était absolument invraisemblable qu'ils arrivent à travailler ensemble. Bon, ils avaient commencé puisque Dieudonné avait été aussi son directeur de thèse en même temps que Laurent Schwartz, donc ils se connaissaient de tout temps. Alors le troisième du trio, c'est Jean-Pierre Serre. Alors, qui a aussi un caractère... Un trio très improbable. Un trio totalement improbable. Serre, c'est totalement, il est totalement différent des autres. Bon, Serre, c'est l'héritier des calvinistes des Cévennes. Même si lui ne se définit pas comme calviniste, enfin, son grand-père était pasteur, etc. Enfin, je veux dire, il est l'héritage typique des calvinistes des Cévennes. C'est-à-dire des gens d'une grande intégrité morale et des gens d'une grande... une grande intégrité morale et d'une grande rigueur logique. Bon, on peut faire de la théologie, mais il faut qu'elle soit dans les termes logiques. Bon, c'est pas... Les calvinistes ne sont pas des gens d'émotion. Je connais ce milieu-là, ce ne sont pas des gens d'émotion. Or, Serre, même s'il s'en défend un peu, il est totalement l'héritier de ça. Et c'est-à-dire l'esprit des Lumières, je dirais, l'esprit des Lumières, la clarté de l'esprit des Lumières. Enfin bon, il écrit comme on aurait écrit au XVIIIe siècle. Et il pense comme on pensait au XVIIIe siècle. Il est exactement comme ça. Alors, avec une imagination très grande aussi, bien sûr, un savoir-faire grand aussi. Mais enfin bon, je veux dire, la collaboration d'un rebelle absolu qui était Grothendieck, d'un homme d'ordre et d'organisation qui était Dieudonné, et peut-être d'un ultra-rationaliste qu'est Serre, de toute certaine manière un ultra-rationaliste, c'était totalement improbable. Et alors on en a un témoignage absolument fantastique, c'est l'échange de correspondance entre Serre et Grothendieck, qui a été republié récemment sous la direction de Serre. Grothendieck ne voulait pas participer à tout ça, bon, Serre. La seule chose qui m'inquiète un peu, c'est que Serre avoue lui-même qu'il a fait quelques censures. Il y avait des lettres qu'il n'a pas voulu reproduire. Et de temps en temps, quand j'ai un doute, je lis cette correspondance, je téléphone à Serre. Ah oui, je ne l'ai pas mis dans les... Mais je peux te dire que... Donc, il y a eu cette collaboration. Mais cette collaboration,
ce qui était le ciment de cette collaboration, c'était bien entendu Bourbaki. Alors justement, j'ai du mal à imaginer Grothendieck dans le contexte bourbakiste, parce que là aussi, il y a une certaine assaise, une certaine... Oui. Presque un puritanisme, je trouve. Ah oui, oui, non. Et comment Bourbaki était une entreprise puritaine, ça c'est indéniable. Voilà. Que ce soit Dieudonné, que ce soit Serres, que ce soit Chevalet, que ce soit Cartan, que ce soit moi-même, on était tous des puritains. André Veil à sa manière aussi, on était tous des puritains. Et vous avez marqué les mathématiques de cet esprit puritain, voilà. avec quelquefois les excès. Comment Grothendieck a-t-il trouvé sa place là-dedans? Parce que je ne crois pas qu'on puisse lui affûter le qualificatif de puritain. Non. selon mes souvenirs personnels, d'une des premières conversations sérieuses que j'ai eues avec Grothendieck, c'était en 1953. On s'était déjà rencontré, mais enfin en 1953, il était à ce moment-là au Brésil et il est revenu faire un exposé à Paris, je me souviens que c'était en mars 1953, et je me souviens que j'ai été l'écouter. Et puis en sortant, on a bavardé, et il était encore en plein dans sa direction de l'analyse fonctionnelle. Moi, ça m'intéressait aussi, je connaissais aussi bien le sujet. Et à un moment donné, je me souviens, je me vois encore rue d'Ulm, marchant en long, en large avec lui dans la rue d'Ulm, et il me dit, oh, écoute, Bourbaki, c'est évident que dans 2 ou 3 ans, tu en seras et j'en serai. Donc, Et quand il était étudiant à Paris, à l'époque, un certain nombre de réunions de Bourbaki se faisaient à Nancy, parce que Bourbaki n'avait pas les moyens de se payer des villégiatures pour travailler à l'époque, et Grothendieck a assisté en spectateur. Donc il a été, bon, je peux dire qu'il a connu Bourbaki au berceau. Oui, il a grandi avec Bourbaki. Et puis il s'entendait très bien avec Dieudonné, il s'entendait très bien avec Schwartz, il s'entendait très bien avec Serres. Avec Cartan, c'était plus délicat. Les rapports avec Cartan n'étaient pas toujours faciles. Là aussi, un homme d'une grande intégrité, mais plus difficile comme personne. Mais ça vaudrait une autre discussion sur Cartan. Donc, bon, Grothendieck, là, il s'y attendait. En plus, parmi les sujets qui étaient traités par Bourbaki à l'époque, un certain nombre étaient très, très proches. Analyse fonctionnelle, tout ça, c'était très, très proche de ce qu'il faisait lui-même. Et son travail avec Dieudonné et Schwartz sur l'analyse fonctionnelle avait été inspiré par des questions qui se posaient à Bourbaki. Donc, c'était assez naturel. Et le tournant, il n'avait pas encore fait son tournant qui l'a amené aux catégories d'abord, puis à la géométrie algébrique, dans la continuité. Et Bourbaki était très heureux, parce que Bourbaki était une société peut-être puritaine, mais où on était habitué à une société... Nous étions une société d'égo. Sans hiérarchie. Bon, il n'y a jamais de groupe humain sans hiérarchie. Mais enfin bon, André Veil était primus inter pares, évidemment, primus inter pares. Mais enfin, inter pares, premier parmi les égaux. Et en fait, nous, on fonctionnait aussi au choc d'idées et parfois au choc de personnalité, parce que le choc d'idées pouvait s'accompagner du choc de personnalité. Et les discussions étaient parfois extrêmement vives, amicales et vives. Et parmi les anecdotes, je me souviens d'une des premières fois où j'assistais à un congrès Bourbaki dans les Alpes et où la discussion était devenue un peu agitée. Et nous étions dans une jolie, très agréable petite auberge de montagne. Et celle qui nous accueillait, qui savait qu'on était, bien entendu, un soir, ça a tellement monté qu'elle s'est demandé. Elle a dit à son fils, « Faut quand même que tu regardes un peu. J'ai peur qu'il surveille par la porte, qu'ils ne se sont pas battus. » En fait, ils ne s'étaient pas battus du tout. Mais même pour des gens qui nous connaissaient déjà, puisqu'on était déjà allés plusieurs fois à cet endroit, et on était très bien accueillis, elle savait faire son métier d'hôtesse, bien sûr. Mais elle avait quelques réticences. Bon. Et alors, il y avait des cirques, le cirque traditionnel, c'était Dieudonné qui démissionnait. Quand une discussion avait mené à un endroit où Dieudonné ne se sentait pas bien à l'aise, où il ne voulait pas aller, il disait, bon, je démissionne. Alors, il se retirait sous sa tente, il montait dans sa chambre. Le lendemain matin, il était calmé, il revenait. Bon. Et le plus étonnant dont je me souviens, c'est un soir, on discutait de je ne sais plus quoi, ça devait être la théorie des ensembles, le dernier volume de la théorie des ensembles,
qui n'amusait pas Bourbaki. Ça n'amusait pas Bourbaki. Et alors, Dieudonné a fait son travail soigneusement de préparer un manuscrit avec toutes les enluminures qu'il fallait, parce qu'à l'époque, on n'avait pas tech, donc les enluminures, etc. Et puis, à un moment donné, la discussion dérive, et il dit, bon, mais puisque c'est comme ça, il attrape le manuscrit, crac, comme le Fordéal qui déchire l'annuaire téléphonique, comme ça, avec sa poigne. Bon, il pesait 100 kilos, il faisait 2 mètres de haut, donc. Bon, et alors, tout le monde se sent un peu gêné, il rentre chez lui dans sa chambre. Et puis alors, je me souviens, Cartan et Eilenberg, qui étaient à quatre pattes, sous la table, en train de ramasser les morceaux de feuilles, cherchant toutes les réserves de scotch qui existaient dans la maison, pour recoller soigneusement une page après une page. Le lendemain matin, Dieudonné arrive au petit déjeuner et nous dit « Mais j'avais une copie !» Il s'était calmé entre-temps, mais j'avais une copie. Alors, il y a une seule fois où ça a dérivé vraiment, malheureusement. C'est en 1970, pendant ce qu'on appelle ICM, enfin International Congress of Mathematicians, parce qu'on ne veut pas dire World Congress, bon, ça n'a pas l'importance, de 70. Il faut savoir qu'à l'époque, Dieudonné avait 65 ans, qu'il avait, même plus 66 ans, qu'il avait démissionné de l'IHES quelques années avant, pensant qu'il avait fait son travail. Et qu'est-ce qu'il a fait comme travail de retraité? Fonder l'université de Nice. Je ne sais plus s'il était président ou doyen, enfin, il était un des dirigeants de la première génération de l'université de Nice. À 60 ans passés, créer une nouvelle université... Ça montre une certaine énergie. Et puis, comme ça ne suffisait pas, il organisait le congrès mondial, dans Nice aussi. Bon. Alors là, il y a eu un incident dont je me souviens, fantastique, dont je me souviens. Le jour de l'ouverture, Grothendieck avait déjà viré sa cutie. Il avait fondé Survivre et Vivre à Montréal au printemps 70. Bon. Et il était déjà... Bon, il n'a démissionné de l'IHS qu'à la fin de l'année 70, mais enfin, il était déjà parti. Alors, pendant le congrès, bon, alors dans le hall d'entrée... qui n'était pas très bien adapté, mais enfin, ça n'a pas d'importance. Dans le hall d'entrée, il y avait les grands éditeurs scientifiques qui étaient là, Springer, Cambridge University Press, etc. Puis Grothendieck arrive avec sa petite table de pique-nique, pliée dans son sac à dos avec tous ses tracts, et il se plante dans l'intervalle entre deux maisons d'édition. Sa petite table d'un mètre cinquante de large, même pas, bon, avec ses tracts dessus. Alors arrive Dieudonné, furieux, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as rien, c'est pas ta place. On était quelques entours de Grothendieck, on dit à Dieudonné, calme-toi. Il ne fait rien de mal. Il est là entre les deux éditeurs. Les gens qui voient sa petite table, il y a beaucoup qui ne la verront même pas, s'ils voient sa petite table, ils viennent là. Le tract leur plaît, ils le mettent dans leur poche, le tract le déplaît, ils le mettent dans la poubelle. C'est tout. Qu'est-ce que ça fait? Mais Dieudonné ne l'entendait pas, c'était lui le patron, il ne l'entendait pas de cette oreille. Et Dieudonné chasse Grothendieck. Grothendieck remballe tout son matériel. Et puis, c'était vraiment comme le film d'Eisenstein. Là où ça se passait, ça se rappelait le palais des congrès de Nice, qui n'existe plus, qui a été détruit il y a quelques années. Et il y avait un escalier digne d'Eisenstein. Bon. Un escalier absolument énorme. Bon. Alors, Grothendieck descend, on était quelques-uns autour de lui à l'accompagner, à le soutenir, etc. Et politiquement, on était très proche de lui. C'était un allié pas facile, comme je disais. Alors on descend, et puis on arrive en bas des escaliers, et puis Grothendieck déploie sa petite table. Mais en bas de l'escalier, on était dans la rue. On n'était plus dans le campus. Il y avait un arrêté municipal. Il faut se rappeler qu'on était 2 ans après 1968, dans la grande vague hippie. Quand on est le maire de Nice, la crapule qui s'appelait Médecin, Jacques Médecin, on est la crapule. Qu'on vous dit que quelqu'un, une notabilité de la ville vient vous dire « Je vous offre le congrès mondial des mathématiques pour votre ville », quel maire refuse ça? Évidemment, aucun maire ne refuse ça. Mais avoir 2000 hippies qui débarquent sur la ville, ça ne lui plaisait pas. Donc, Dieudonné et le maire avaient négocié avec une certaine difficulté, et le maire avait accepté, mais il avait pris un arrêté municipal qui interdisait toute démonstration, toute manifestation dans les rues.
Il y avait un arrêté de police municipale. Ça, c'était à cause de la présence de Grothendieck. Grothendieck, personne ne le connaît. Le maire de Nice ne connaissait pas Grothendieck, bien entendu. Mais il avait peur de manifestations de ce genre. Il ne savait pas d'où elle viendrait, mais il avait peur de manifestations de ce genre. Donc nous, on descend, on était sur la rue. Bon, alors, une voiture de police de routine qui passe. Bon, les types prennent leur radio et appellent leur centrale. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'il faut intervenir? On leur dit calmez-vous, on vous envoie le patron. Le patron, c'était le commissaire principal de la ville de Nice. Je crois que ceux qui connaissent un peu la France sachent qu'être le patron de la police à Marseille ou à Nice, c'est pas une tâche facile, ça demande un certain savoir-faire et beaucoup de savoir-faire. Bon. Donc le patron de la police à Nice, qui était donc très très expérimenté, c'est un policier très très expérimenté, quelques temps après, il arrive lui-même sur place, dans sa magnifique voiture Mercedes, Il descend. Alors la scène, il y avait Grothendieck là, il y avait les amis de Grothendieck qui étaient là, c'est-à-dire Mumford, moi-même, quelques autres, puis le chef de la police qui arrive là. Alors on était entre les deux. Le chef de la police descend de sa voiture, vient vers nous. Messieurs, celui-là, c'est votre ami? Ah oui, monsieur le commissaire, c'est notre ami. Bon. Est-ce que vous avez de l'influence sur lui? Est-ce que je peux discuter avec vous? Ah, discuter, oui. Nous ne prenons aucun engagement, bien entendu, mais discuter avec vous, on est prêt. Alors bon, on discute. En fait, la question était de sauver la face. La situation réelle, c'est la suivante. Grothendieck, d'un côté, voulait se faire arrêter. D'autre part, le chef de la police ne voulait pas l'arrêter. C'était complètement à champ renversé. Bon, pourquoi Grothendieck voulait se faire arrêter? Pour qu'il y ait du bruit. Parce qu'évidemment, si Grothendieck avait été arrêté, ben, le lendemain, tous les journaux français en étaient pleins. Le chef de la police, qui était quelqu'un qui connaissait son métier, qui avait comme mission pas de bruit, pas de problème, bon, il voulait étouffer l'affaire. Donc il savait que s'il arrêtait Grothendieck, il déclenchait une affaire gigantesque. Il avait assez de flair pour savoir ça. Donc il ne voulait pas l'arrêter. Grothendieck voulait absolument se faire arrêter. Donc nous, on était entre les deux. Alors on négocie, bon, et finalement on a réalisé que c'était une question de sauver la face pour tout le monde. Le commissaire de police, s'il restait ouvertement en violation de l'arrêté, était obligé de l'arrêter. Et il ne voulait pas. Bon, nous, Grothendieck et nous, il nous offrait de sauver la face. Il suffisait de reculer 2 mètres. On n'était plus sur la rue, on était dans le domaine universitaire, plus rien à dire. C'est comme ça. Mais bon, pour persuader Grothendieck de reculer sa table de 2 mètres, ça a été compliqué. Et ça a été malheureusement, à partir de là, la brouille complète entre Grothendieck et Dieudonné. J'en suis triste, parce que bon, moi j'étais lié aux deux côtés, et j'étais triste. Mais on voyait déjà à ce moment-là que Grothendieck avait dérapé. Il avait dérapé à ce moment-là. Et avec quel âge alors, ça lui fait ça? Ben, c'était 70, il avait 42 ans. Et bon, et moi je répète souvent, ce qui est arrivé à Grothendieck, c'est qu'il est la dernière victime de Hitler. C'est-à-dire que son enfance, qui est bien expliquée dans le livre de Charlaot maintenant, son enfance qui est très bien décrite dans le livre de Charlaot, Wilfried Charlaot, montre, bon, c'est une enfance d'enfer, je veux dire, bon... abandonné à 5 ans dans l'Allemagne nazie par un père juif et une mère d'ultra-gauche, 5 ans dans une famille où il était à moitié en sûreté, ensuite envoyé en France, il ne savait même pas qui il allait trouver en arrivant en France, enfin bon, et arrivé en France immédiatement interné, parce qu'on oublie trop, que les internements en France n'ont pas démarré en septembre 1939 à cause de la déclaration de guerre, ils ont démarré un an avant, et les camps de concentration, ce n'était pas Dachau, ce n'était pas Auschwitz, mais les camps de concentration, bon, on ne tuait pas les gens systématiquement, mais les conditions de vie étaient parfois si pénibles qu'il en mourait des quantités par maladie. Ces camps d'internement ou de réfugiés, etc., ont commencé dès 1938. Et on a trouvé récemment un document à ce sujet-là, une lettre signée du Premier ministre de l'époque, on disait président du Conseil, Daladier, signé le conseil, et qui désigne pour toutes les polices de France les 10 ennemis publics, dont le père de Grothendieck, Shapiro Tanaroff. Il est mort à Auschwitz. Bon. Et donc, lui, il était dans un camp. Ah ben, lui, il a été, dès le début, il a été dans un camp beaucoup plus sévère. Grothendieck et sa mère ont... celui qui avait la pire. Oui. Et Grothendieck et sa mère ont été dans un camp d'internement, bon, qui était un petit peu moins pénible. Enfin, dès avant la déclaration de guerre. Alors, à la déclaration de guerre, ils devenaient des citoyens ennemis, parce qu'ils étaient allemands. Et après la défaite, ils devenaient des juifs.
et des communistes. Bon. Je voudrais qu'on revienne un peu à Bourbaki. Tu parlais donc de l'influence de Bourbaki sur les mathématiques. Est-ce que tu penses que... donc ça a une influence sur les mathématiques françaises, mais sur les mathématiques mondiales aussi. Est-ce que tu penses qu'on peut d'abord parler d'une école française des mathématiques? Tu es ici en Allemagne, une école allemande des mathématiques, puisque là on parle des deux pays par le biais de Grothendieck, par d'autres noms que tu as évoqués. Est-ce que tu penses que ça a un sens de parler à ces termes? Ben, historiquement, la situation, en très gros traits, il y a incontestablement une école mathématique allemande au début du XXe siècle. C'est Berlin, autour de Weierstrass et autres. Et c'est Göttingen, autour de Felix Klein. Felix Klein, Hilbert et autres. Bon. Et deux écoles d'ailleurs qui ne s'entendaient pas toujours très bien. Enfin, moi, c'est une autre histoire. Et bon, alors il y avait incontestablement une école allemande. D'ailleurs, il est quand même frappant de constater que si on prend la liste des prix Nobel jusqu'en 1920 ou 25, la quasi-totalité des prix Nobel de sciences, physique ou chimie, sont soit des Allemands, soit des gens de culture allemande. Ça peut être des Tchèques, des Autrichiens, des Hongrois, enfin, normalement, des Hongrois, mais enfin, c'est des gens de l'ère culturelle allemande et de l'ère académique allemande. Donc, il y a vraiment une école allemande. Bon, il y a Einstein, il y a tout ça. Enfin, bon, ça, c'est... Bon, on sait aussi que Hitler l'a détruite en un jour. Dès qu'il a pris le pouvoir et qu'il a commencé les mesures à la fois contre les juifs et les libéraux, bon, tout le monde connaît l'anecdote de Hilbert recevant la visite d'un notable nazi. Monsieur le doyen, est-ce qu'il y a un problème juif dans notre université? Non, il n'y a plus de juifs, plus d'université. C'est une anecdote classique. Bon, donc, quasiment instantanément, l'école allemande, qu'elle soit en physique, en mathématiques, en chimie, a été détruite. Et elle a eu du mal à se ressusciter. Peut-être ce qui a ressuscité plus vite, c'est l'école de Münster, avec les fonctions de variables complexes. Ah oui, d'accord, de Münster. C'est Münster. Mais Münster, parce que c'est une collaboration franco-allemande. C'est Cartan et les gens de Münster. Bon, et Veille aussi un peu de Münster. Bon. Alors, bon, ce qu'il y a, c'est que bon, le désastre nazi a tué la science allemande quasiment instantanément. Pas tout à fait, bien sûr. Il y a quand même eu d'autres mathématiques et d'autres physiques. Des journaux scientifiques qu'on ne trouve que dans l'enfer des bibliothèques. Bon alors, ensuite, la France avait... Il y avait une école française qui était dominée à la fin du 19e siècle par l'école polytechnique. Poincaré est l'exemple le plus manifeste, mais il y en a eu d'autres, Jordan, Poincaré, tout ça, c'était des polytechniciens. Et pendant toute la deuxième moitié du 19e siècle, l'équivalent de Weierstrass, c'était Jordan, c'était Poincaré, etc. Bon. Donc une école française qui avait son originalité, avec des contacts, puisque bon, Poincaré, il y a eu la course scientifique entre Poincaré et Klein, et Félix Klein, bon. Donc, et les sujets étaient voisins. Et n'oublions pas que Poincaré, né à Nancy, qui a subi les 5 années d'occupation prussienne après la guerre de 1870, était un des rares scientifiques français à parler parfaitement allemand. Et à se tenir au courant de ce qui se faisait en sciences allemandes. Alors que son cousin, qui était le président de la République, était un des nationalistes. Mais, au contraire, Poincaré a toujours maintenu le contact. Donc, il y a... Bon, Poincaré, c'est la dernière manifestation de cette grande école française. En physique, il y a eu aussi Langevin ou des gens comme lui, mais enfin bon, il y avait une grande école française qui a été détruite instantanément par la guerre de 14, puisque bon, il n'y a qu'à aller dans n'importe quel endroit à Paris, à la Sorbonne ou ailleurs, et voir la liste monstrueuse de tous les tués de la guerre de 14. Toute une génération s'est fait massacrer pendant les combats de la guerre de 14. Et la science française en a fortement pâti. Donc après, en 1920, la science allemande est encore dominante, la science française a été décapitée. 10 ans plus tard, la science allemande est décapitée. Donc l'Europe est morte. Il reste bien quelque chose en Grande-Bretagne, mais enfin, la Grande-Bretagne a toujours été un petit peu à part, pour toutes sortes de raisons, toujours un peu insulaire. Bon, donc, ensuite, il y a la reconstruction. La reconstruction, et Bourbaki, c'était sa principale heure, la reconstruction. Donc Bourbaki se voulait la synthèse
de l'algèbre allemande avec l'héritage français. Il se voulait délibérément une synthèse. Bon, André Weil, aussitôt après sa thèse, même peut-être avant, est allé à Göttingen, Chevalet est allé à Hambourg, Cartan est allé à Münster, et d'autres aussi. Bon, tous ces gens-là ont été apprendre, étaient aux sources de la science allemande avant 1930. Et tous ces gens-là voulaient reconstruire une école française, mais une école française originale, qui n'était plus l'ancienne, c'était plus Poincaré, c'était une école originale, basée sur la méthode axiomatique de Hilbert. Mm-hmm. Axiomatique de Hilbert. Mm-hmm. Donc il y avait un renouveau évident. Alors bon, n'oublions pas que Henri Cartan a commencé sa carrière à Strasbourg, sa femme était une strasbourgeoise, il a toujours parlé allemand merveilleusement, et il a collaboré avec les collègues de Münster, il a publié plusieurs fois en allemand, et Rossmann, qui était aussi du groupe Bach, qui était de Strasbourg et parfaitement germanophone, bilingue, bon. André Weil avait une tante à Francfort, bon. Donc, tous ces gens-là étaient vraiment essayés de faire la synthèse. Donc, garder ce qu'ils pouvaient garder, sauver du nazisme ce qu'ils pouvaient sauver du nazisme, et en profiter pour restructurer l'école française. Donc, cette école française, elle est là. Et moi, je me suis toujours, bon, et Grothendieck, il est un produit naturel de ça, je veux dire. Et moi-même, je suis un produit naturel de ça, je veux dire. Moi, j'ai toujours je disais, ma mère a toujours une certaine ambiguïté sur sa fidélité. Elle était citoyenne française, mais est-ce qu'elle était allemande aussi? Bon, elle était les deux. Bon, donc toute une génération voulait s'appuyer sur la reconstruction de l'école mathématique allemande, qui a changé évidemment. Bon, donc Bourbaki est un projet franco-allemand, je dirais. C'est intéressant. Franco-allemand. Un projet puritain franco-allemand. Exact. Et j'ai déjà remarqué que quand on prenait la liste des gens qui ont participé à diverses époques, dans la société française où il y a 1% de juifs et 1% de protestants, il y avait un tiers de juifs et un tiers de protestants dans Bourbaki. Et pas par hasard. Enfin, protestant, bon, je me sers dedans, même s'il n'était pas un fidèle de l'Église, mais enfin, bon, Cartan, lui, était un protestant avoué. Enfin, on ne va pas discuter les détails, mais enfin, il y a une culture, il y a un environnement spirituel et intellectuel qui était celui-là. On n'a pas beaucoup parlé de quelque chose qui pourtant te tient beaucoup à cœur, il me semble, c'est les relations entre les mathématiques et la physique. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots? Tu as beaucoup parlé des mathématiques au XXe siècle et de ces tumultes historiques qui ont beaucoup influencé le développement des mathématiques du XXe. Est-ce que tu peux parler de comment tu penses que ces affinités et puis distanciations entre les mathématiques et la physique, comment penses-tu vont-elles évoluer dans ce 21e qui commence? Bon, alors, au XXe siècle, pour Hermann Weyl, la question ne se pose pas s'il est physicien ou mathématicien ou philosophe. Il est tout. Bon. N'oublions pas que la nouvelle... Bon, d'abord... La relativité sous forme, surtout la théorie de la gravitation, la relativité générale, est une théorie très mathématique et qui a été influencée directement par les mathématiques, bien sûr. La théorie de la gravitation d'Einstein n'est pas pensable sans un énorme investissement mathématique. Et non, pour l'époque, aujourd'hui, ça nous paraît banal, c'est un cours de troisième année, hein, n'importe quel bon étudiant de troisième année peut comprendre. Mais enfin, à l'époque, c'était géométrie riemannienne, c'était vraiment un sujet de pointe. Bon, alors ensuite, du côté français, Émile Borel, Langevin, tous ces gens-là sont proches personnellement, politiquement et scientifiquement, et tous des progressistes. Une des meilleures publications du début du XXe siècle, c'est la Revue du Mois, dirigée par la femme d'Émile Borel, Camille Marbeau, la femme d'Émile Borel, et qui était vraiment là où on explique ce que c'est que l'atomisme, on explique ce que c'est que les nouvelles mathématiques, c'est vraiment un foyer. Bon. Alors,
Et là, mathématiciens et physiciens, ils sont la main dans la main. La main dans la main. Ensuite, au moment de la création de la nouvelle mécanique quantique, c'est-à-dire 1926, Göttingen, bon, Born, Heisenberg, Schrödinger et tout ça, les mathématiciens et les physiciens sont la main dans la main. Absolument la main dans la main. Bon. Et puis, il y a eu une rupture. Je ne sais pas où, comment elle s'est faite. En tout cas, ça c'est l'aspect négatif de l'héritage Bourbaki. Dans les années 70, quand je, au séminaire Bourbaki, je faisais un exposé sur la physique mathématique, bon, j'allais dire que je faisais un petit peu un coup de force. Je veux dire que bon, ma position, il n'y a pas de hiérarchie dans Bourbaki, mais enfin ma position personnelle était assez forte pour que je dise « je fais cet exposé » et personne n'aurait osé contester. Et, mais au début, il y avait beaucoup de réticence. Faire un exposé. C'était sur quoi ? Bah, par exemple, j'ai fait des... bon, j'ai commencé par les travaux de Wiener sur la prédiction statistique, la théorie de la prédiction. Ça, c'était, bon, c'était pas tout à fait de la physique mathématique, mais enfin, c'était quand même plus mathématique appliquée que ça. J'ai fait des exposés sur les probabilités proprement dites, qui n'ont pas toujours été bien reçues. Le donné n'aimait pas beaucoup ça. Et puis, bon, j'ai... Qu'est-ce que je disais ? J'ai fait... Bon, ben j'ai, dès que la théorie, dès que la première étape de la théorie quantique des champs, enfin mathématique, ça a été ce qu'on a appelé la théorie axiomatique ou la théorie constructive des champs dans les années 70, c'est-à-dire essentiellement Whiteman et puis un certain nombre de gens autour d'Arthur Whiteman. Bon, et là j'ai fait des comptes rendus au séminaire Bakhi là-dessus. Bon. Et c'était relativement hétérodoxe. Et André Weil, bon, André Weil pour qui j'ai un énorme, énorme respect, une énorme reconnaissance, j'aime à dire qu'il était mon oncle, mathématiquement. Henri Carton était mon père, bien évidemment. À l'époque, dans ma génération, tous les jeunes Français étaient les enfants de Carton. On avait tous été formés par lui à l'école normale, on avait tous, au moins formellement, fait notre thèse avec lui, etc. Mais j'avais un oncle qui était André Weil et qui s'est comporté comme un oncle. Un oncle, c'est pas un père. C'est pas peur. Nous savons l'importance dans une famille de la relation avec l'oncle, ou le parrain, le parrain ou l'oncle, c'est à peu près la même chose. Et puis, il y avait... Oui, et j'aime à dire que j'avais deux grands frères, Grothendieck et Serre. Ah, donc Grothendieck comme grand. Enfin, Grothendieck comme frère. Mais Serre, c'était le grand frère. D'accord. Dans la fratrie, Serre était l'aîné et il était à tous les points de vue. On était une fratrie assez soudée, Grothendieck, moi-même et Serre, mais c'était Serre, le grand frère, bon, et qui se comportait en grand frère. Et quand je suis arrivé comme tout petit étudiant en 1950 à Paris, à 18 ans, Serre avait 24 ans, il aurait eu la médaille Fields très peu de temps après, et sa thèse avait déjà fait un éclat. Bon, il nous dépassait tous, évidemment, mais il était le bon grand frère. Celui qui donne les conseils, celui qui guide, celui qui vous présente à ceux qu'il faut, etc. Bon, le vrai grand frère. Et encore aujourd'hui, quand je dis « Serre était mon grand frère », ça le flatte. Bon, notre différence d'âge n'a plus aucun sens aujourd'hui, mais quand je dis « tu étais mon grand frère », ça le flatte. Bon, tant mieux. Mais je suis sincère. Bon. Donc, Bourbaki, dans son ensemble, était très peu ouvert à la physique mathématique. Et il y a un signe, c'est que là, quand Hermann Weyl est mort, André Weil et Chevalier ont écrit une magnifique, nécrologie. Ils ont simplement oublié dans la bibliographie Raumzeit Materie und Gruppentheorie Quantum Physik. Si on oublie ces deux livres-là d'Hermann Weyl, on a quand même oublié une part importante de l'Angleterre avait une place un peu à part, elle a laissé plus de place au développement de la mathématique. Oui. Mais bon, il y avait Luther Wood, par exemple, des gens comme ça qui étaient plus mathématiques appliquées que physiques. Bon, il y a Dirac. Et Dirac, pour beaucoup de gens, Dirac n'est pas un physicien, c'est un mathématicien. D'ailleurs, sa chaire s'appelait mathématique. Bon, il y a Dirac. Mais la tradition anglaise est différente. La tradition anglaise, c'est une tradition formaliste, pas au sens où on l'entend d'habitude, une sorte de l'algèbre, des structures formelles de l'algèbre. Si on regarde les publications à la fin du 19e siècle en Angleterre, c'est quoi ? C'est Hamilton, enfin Hamilton était déjà décédé, mais c'est comment il s'appelle donc,
le calcul symbolique de ah. Enfin bon, il y a un certain nombre de gens qui font des fonctions. Il y a Boole qui font de l'algèbre avec des méthodes très opératorielles. Disons que c'est les Anglais qui ont inventé les méthodes opératorielles en algèbre. Et Boole en particulier, Boole, bon, on oublie trop que l'algèbre de Boole, pour Boole, c'est une algèbre d'opérateurs. Ah oui. On a un univers, un prédicat, qu'est-ce que c'est? C'est l'opérateur qui réduit de l'univers à quelque chose de plus petit. Quand j'ajoute deux prédicats, vert et chat, bon, vert et chat, je réduis l'univers à vert d'abord, et ensuite à chat à l'intérieur des verts ou l'inverse. Bon. Donc, bon, dans ce cas-là, ce n'est pas très intéressant ce qu'on trouve, parce que je trouve parfois des jeunes filles qui ont les cheveux verts, mais des chats verts, je n'en ai pas vu beaucoup. Bon, alors, donc c'est vu par Boole comme des opérateurs. Et le calcul de Boole, c'est un calcul d'opérateurs. Quand j'écris noir, chat, bon, et en fait, je fais le produit de deux opérateurs. Il se trouve qu'ils commutent dans ce cas-là, bon, etc., et qu'ils sont idiopoteurs, mais c'est vu comme ça. Et il y a une énorme tradition de la... Je disais Evisai pour le calcul symbolique. Bon, Evisai. Bon, alors il y a une énorme tradition dans l'algèbre anglaise. Et si on regarde les publications du début du... Bon, Boole est tout à fait là-dedans, mais bien d'autres aussi. Et Dirac n'est que le continuateur de ça. Dirac n'est que le continuateur. Si on lit le livre de Dirac, le livre sur la mécanique quantique, il est profondément inspiré de cet esprit-là, même si ça n'apparaît pas. Et en fait, bon, c'est Dirac qui a inventé les... Dirac, l'histoire des distributions est compliquée, mais Dirac est un des inventeurs des distributions, pas sous la forme à laquelle on est habitué aujourd'hui. N'empêche qu'on trouve dans Dirac, qu'est-ce que ça veut dire delta? Bon, et qu'est-ce que veut dire une équation du type x delta de x égale 0? Ça veut dire, ou d'x delta prime de x égale moins delta. Ça veut dire que je mets devant une fonction continue. Continue, ça veut dire suffisamment régulière pour eux. Je mets devant une fonction continue. J'intègre et je regarde, j'applique les règles formelles, intégration par partie, et puis définition de delta, intégrale de f delta, c'est f de 0. Bon, je travaille là-dessus. Dirac ne définit pas l'espace des fonctions test, mais la définition est correcte. Bon, sauf qu'il n'y a pas une définition formelle de l'espace des fonctions test, ça c'est venu après. C'est Sobolev et Schwarz qui ont fait ça. Mais la définition est parfaitement correcte, parfaitement cohérente. Donc, mais c'est le même esprit, c'est Evisai. Bon, généralement, quand on parle de distribution, on se souvient d'Evisai, mais pas suffisamment de Dirac. Bon, il y a une énorme tradition d'algèbre formelle. Et bon, comment il s'appelle là, donc celui. Le major MacMahon, un des fondateurs de la combinatoire. Bon, MacMahon, l'algèbre de MacMahon, c'est typiquement ce genre d'algèbre. Bon. Donc, elle est à part. Et ensuite, historiquement, après la Seconde Guerre mondiale, il y a une malédiction sur l'Angleterre. C'est qu'ils parlent la même langue que les États-Unis. Ce qui fait qu'un mathématicien français de ma génération, même s'il avait une offre aux États-Unis, il hésitait beaucoup avant de l'accepter. Et très peu avant de l'accepter. Bon, pour les Allemands, bon, parce que les Français n'aimaient pas s'expatrier. Bon. Pour un Anglais, aller aux États-Unis, c'est à peine, c'est aller dans la paroisse d'à côté. Aller dans la paroisse d'à côté, c'est quitter les presbytériens pour aller chez les Quakers français. C'est rien, c'est changer à peine de paroisse. Bon, donc, l'Angleterre en a beaucoup souffert. Elle n'a jamais retrouvé, bon, il y a eu de très grands physiciens expérimentateurs au début du XXe siècle, mais elle n'a jamais retrouvé ensuite le même éclat. Il y a eu Dirac, bien sûr, mais après, elle n'a jamais retrouvé le même éclat. Bon, et pour cette raison-là, et c'est un peu la malédiction. En fait, assez curieusement, dans l'Europe d'aujourd'hui, ceux qui ont survécu, c'était les vaincus. Les Allemands et les Français. Je mets les Français parmi les vaincus. Bien que ce ne soit pas de bon ton de dire, bon, je ne suis pas très bon français si je dis qu'on était des vaincus. Mais si, on était dans les vaincus. Il y a De Gaulle qui était un magicien qui a voulu faire croire que nous étions chez les vainqueurs. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous étions chez les vaincus. Bon. Et l'Angleterre a gagné, enfin elle était dans le camp des vainqueurs, mais elle a payé un prix tellement gigantesque. Elle a perdu aussi son empire colonial, et c'est le début du déclin de l'Angleterre. Enfin, c'est pas seulement, ça va plus loin que les mathématiques. Donc, toi,
ton parcours personnel, mathématiques personnelles, la physique a joué un grand rôle. Ah ben non, non. Et dans quel sens est-ce que qui nourrit qui, les mathématiques, la physique et la mathématique, on sait que il y a des allers-retours permanents, mais ça fluctue selon. Oui, 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 oui. Et comment est-ce que tu vois, donc ce que je souhaiterais savoir, c'est comment tu anticipes le développement dans le développement futur de ces interactions. Ah. Mais là, il y a aussi quelqu'un qui est venu bousculer le jeu de qui. Bon, une chose historique qui a bousculé le jeu de qui, c'est l'effondrement de l'Empire soviétique et l'invasion, ce que Staline n'avait pas réussi à envahir le monde avec ses divisions, la chute de l'Empire soviétique l'a fait en envoyant tous les scientifiques soviétiques, russes, etc. en Occident. Bon, Manine est à Bonn, je l'ai vu il y a quelques jours. Bon, Kontsevitch, je déjeune avec lui chaque jour. Quand je suis à Paris, bon, et donc il y a eu, et là, il y avait, c'est encore justement pour le développement historique, je pense, c'est une autre direction profonde, qu'on peut, bon, les Russes l'attribuent à Tchébyshev. Dans leur tradition, c'est Tchébyshev, ils réfèrent toujours à Tchébyshev. Bon. Sofia Kovalevskaya aussi, mais surtout Tchébyshev. Bon, c'est une tradition où la séparation entre mathématiques pures, mathématiques appliquées et physique est beaucoup moins marqué, et où les interactions sont permanentes. Je dirais le modèle pour les interactions, c'est Gelfand. Et tous ceux qui sont arrivés chez nous sont plus ou moins directement des enfants, ou des petits-enfants, ou des arrière-petits-enfants de Gelfand. Tous. Et il y a un esprit différent. Et une perception différente des relations entre physique et mathématiques. C'est plus, on s'emprunte plus mutuellement, non, c'est une symbiose. C'est une symbiose totale, totale. Et quand on est à court d'idées, on va chercher d'un côté, on va chercher de l'autre, etc. Mais Gelfand était un génie pour ça, et avec un flair absolument prodigieux, je veux dire. Mais tous ceux que je connais sont les héritiers de Gelfand, enfin, il n'y a pas que Gelfand, bien entendu. Les mathématiques soviétiques ne se résumaient pas à Gelfand. Mais en gros, l'esprit principal, c'était celui de Gelfand. Et alors là, à mon avis, c'est là que le 21e siècle va se développer. Donc ce ne sera ni la tradition française, ni la tradition allemande, ça va être la tradition russe. Renouvelée. Et la tradition russe, est, en fait, Grotonnik se marie très bien avec ça. Mais Grotonnik est russe. Il alliait tout. Il était allemand, il était français, il était russe. Et c'était une symbiose, complète. Ouais. Grotonnik est une symbiose complète, complète. Et même pour venir aux événements actuels, son père a combattu pendant la guerre civile de 1917 à 1924 en Ukraine. Il a combattu dans un des camps ukrainiens, celui de Makhno, qui est vénéré par certains Ukrainiens aujourd'hui, qui est en général très peu connu à l'extérieur. Enfin, bon, et le père de Grotonnik était un des compagnons de Makhno dans la guerre civile d'Ukraine. Bon. Donc, Grotonnik a lit tout. Son père est juif, est russe, est ukrainien. Sa mère est allemande. Il a été formé en France. Il a lit tout. Je ne fais pas plaisir à tout le monde quand je dis ça, que les vrais héritiers de Grotonnik, c'est cette école russe. Les vrais héritiers. Alors bon, quand je dis ça, certains disent que je méprise d'autres. Non, bien sûr que non. Mais je veux dire que je pense que ceux qui sont le plus fidèles à l'esprit aventureux et prophétique de Grotonnik en science, c'est les héritiers de l'école russe. Et on le voit autour de nous, je veux dire, bon, toutes ces idées absolument fantastiques de système mécanique, intégrale mécanique quantique, d'associateur de Dreyfus, tout ça, c'est vraiment la jonction des idées de Grotonnik qui ont diffusé en Union soviétique assez lentement au début, parce qu'il n'y avait pas de communication même. Mais Gelfand est un passeur. Je veux dire que Gelfand, dès que Bourbaki existait, après 40, enfin, qu'on a commencé à etc., c'est lui qui s'occupait de faire traduire les ouvrages de Bourbaki en russe. Bon, mais Gelfand était un passeur. Un passeur de génie aussi. Mais je veux dire, c'est lui qui a détecté Grotonnik. Par exemple, pour Grotonnik, c'est le premier qui a su quoi faire de la thèse de Grotonnik.
Alors que peu de gens aujourd'hui tiennent compte de la thèse de Grothendieck, il a immédiatement reçu et il l'a appliqué à des idées de physique. Parce que la théorie constructive des champs dont je parlais, des années 70, elle est largement héritée, la phase préhistorique de ça, c'est l'école de Guelfand. Enfin, il y a Kolmogorov, il y a Guelfand, il y en a d'autres, mais enfin, je veux dire, mais c'est quand même Guelfand qui a fait le passage. L'entretien touche à sa fin. Je voudrais te poser une dernière question, peut-être un peu provocatrice. Les mathématiques ont-elles, à ton avis, une fin ? Oh ! Je ne pense pas qu'elles aient une fin en soi. Ma vue est peut-être pas tout à fait orthodoxe. Je vois le développement des mathématiques, historiquement, comme une des composantes essentielles de la civilisation. Et si on regarde le développement des mathématiques historiquement, bon, la première manifestation que nous ayons, c'est par exemple les tablettes babyloniennes. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des livres de comptes et des tables astronomiques. Bon, donc, les Babyloniens ont inventé l'arithmétique, enfin la théorie des nombres au sens élémentaire et la trigonométrie, pour le besoin social de livres de comptes. Dès qu'un État s'organise, même si c'est un petit État à l'échelle d'une cité, dès qu'on ne se contente plus de manger ce qu'on a cultivé la saison dernière et de planter pour la saison d'après, dès qu'il y a une planification, dès qu'on se dit « oui, bon, d'accord, mais peut-être que l'année prochaine, la récolte ne sera pas bonne, donc il faut faire des réserves, donc s'il faut faire des réserves, il faut avoir des greniers, donc il faut avoir quelqu'un qui sache compter. » Bon, et toute cette civilisation primitive, la civilisation, la première civilisation que nous connaissons en Occident, la civilisation chinoise, je ne la connais pas assez, enfin, elle a vécu sur des traditions pas très différentes. Bon, il faut... Le jour où on invente les structures étatiques, ça veut dire, étatique, c'est peut-être un trop grand mot, mais enfin, administrative, financière, etc., enfin, de gestion. Le jour où on invente les méthodes de gestion d'une société, et ça remonte très loin, il faut développer une arithmétique. Le jour où on développe une société, une société, anciennement, elle est rythmée par des événements religieux, les fêtes religieuses. Mais les fêtes religieuses, il faut prévoir le retour des fêtes religieuses. Donc, il faut un calendrier fiable. Donc il faut une astronomie profondément développée. L'astronomie au début du premier siècle, elle c'était déjà une science d'une très très grande subtilité. Très très grande subtilité. Et donc, n'oublions pas qu'avant que Tycho Brahe ne multiplie par 10 la résolution angulaire grâce à ses instruments fantastiques, avant les instruments optiques, la précision des mesures angulaires était multiple par 10 par Tycho Brahe, mais c'est la première fois que le modèle ancien ne fonctionne plus. Mm-hmm. Et si on crée la nouvelle astronomie, c'est parce que les nouvelles observations, avec un ordre de grandeur supplémentaire, ne sont plus expliquées par le modèle ancien, qui était parfait pour ça. Bon. Donc, on a déjà, la civilisation, que ce soit pour créer toutes les tâches de gestion d'une société, gestion à tout bout de champ, que ce soit pour l'astronomie, que ce soit pour l'architecture, parce que le jour où on n'a plus cessé de faire une petite cabane dans un champ pour faire un bâtiment, un château ou une muraille, il faut de la géométrie, là. Donc tout ça, on sait bien qu'en Égypte, la géométrie serait née, c'est la tradition, serait née de la nécessité de redéfinir les limites agraires à chaque inondation. Bon, donc, moi je vois le développement des mathématiques, C'est difficile de dire si les mathématiques ont des sociétés ou si elles répondent aux besoins de la société. Il y a une interaction tellement forte entre les deux, on ne peut pas séparer les deux. N'oublions pas que, par exemple, la numération décimale en Occident, elle est inventée, elle est diffusée par Stevin. Et Stevin est le conseiller des banquiers hollandais. C'est le conseiller des banquiers hollandais. Et il veut faire pour les banquiers et les commerçants hollandais, il veut leur donner un système pratique de faire leur comptabilité. Etc. Et Euler écrit un livre élémentaire d'arithmétique dans la direction de Stevin, où il explique le mérite de la numération décimale, etc. Contrairement à la numération romaine qui était absurde. Bon, alors n'oublions pas aussi que le contrôle des grands nombres. Les Romains ont un système qui permet difficilement de désigner des nombres plus grands que 1000. Mais un budget d'État à l'époque, c'est 2000 drachmes ou 2000 sesterces. Une armée à l'époque, c'est 3000 hommes. Bon, donc, on n'a pas besoin de manipuler des chiffres beaucoup plus grands.
pour tous les besoins de gestion de la société, qu'ils soient civils ou militaires, on a le système suffit, le système suffit. Et bon, Archimède est réputé pour inventer le premier système de position, le système de position. Bon, mais là aussi, on ne dépassait pas quelques milliers. Bon, donc le développement des mathématiques s'est fait. Bon, c'est pour ça que pour moi, la distinction mathématique plus appliquée n'a pas tellement de sens. Il y a des gens qui font des mathématiques en pensant aux applications, il y a des gens qui font des mathématiques sans penser aux applications, mais en fait, ils font la même chose. Ils font la même chose. Bon, alors, pour moi, je veux dire, c'est la bordure autour de la pelouse. Alors, il y a un arceau qui fait comme ça, puis un arceau qui fait comme ça. Ils se rejoignent jamais, mais ils se croisent en permanence. Ils se croisent en permanence, ils se rejoignent jamais. Mais bon, moi, mon expérience personnelle, c'est que dans ma jeunesse, quand j'ai servi de consultant dans diverses compagnie industrielle, j'avoue volontiers que j'étais très mal payé, ma bourse était très faible, donc je ne négligeais pas un supplément de salaire. Bon, mais je veux dire, moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'à l'époque, dans le début des années 50, un ingénieur de bonne qualité, il avait suivi son cours de classe préparatoire, il avait été éventuellement à Centrale ou à Polytechnique, il connaissait bien le calcul d'intégrale et différentielle usuelle, mais quand on lui parlait d'une matrice ou de l'algèbre de Boole, il ne comprenait rien. Or, ce qu'on disait à l'époque, c'est que pour faire un bon ingénieur, il suffit de connaître son cours de taupe. Pas vrai. Moi, je suis arrivé là-dedans, j'ai aussi bousculé les gens en leur expliquant « Ah, ton problème de codage, mais allez !» Et au moyen d'un corps à quatre éléments, j'ai résolu en 10 minutes ce qui les avait arrêtés 3 mois. Bon, le corps à 4 éléments, c'était ma thèse. Je veux dire, les corps finis, c'était ma thèse. Bon, mais à l'époque, personne ne pensait au corps de Galois pour les problèmes de codage. J'ai sans doute été un des premiers à le faire. Bon, mais la difficulté, je dirais, toute mathématique est potentiellement utilisable. Contrairement à ce que disent des gens comme Hardy, et Hardy serait bien fâché de découvrir que ses mathématiques à lui, qu'il voulait absolument plus, etc. Bon, ben, ces méthodes, elles servent énormément aux problèmes de cryptage et de codage. Donc, pour moi, ça ne se sépare pas. Et ma fable, une de mes fables préférées, c'est celle du magnifique forgeron. Peut-être, on terminera là-dessus. Oui, raconte-nous. Alors, la fable du forgeron, j'ai quelques fables comme ça. Il y a la fable des Chavers, mais la fable des forgerons, c'est une autre. Il y a dans un pays mythique un forgeron extraordinaire qui a une réputation fantastique. Il fait les plus belles épées, les plus beaux, le plus belles haches. Et j'ai visité à Nagoya il y a quelque temps le musée des épées à Nagoya. Les forgerons savaient travailler, hein, au Japon particulièrement. Et alors, bon, il a un magnifique musée. Et quand il a fait une belle pièce dont il est particulièrement content, il l'accroche à son musée. Un jour, son fils, pressé, doit sortir, on lui a demandé d'abattre un arbre, etc. Il se précipite dans le musée du père, il attrape la première hache, il abat l'arbre avec. Le père furieux, mais enfin, mon fils, qu'est-ce que tu as fait comme sacrilège ? Bah, je me suis servi de l'hache. Oui, mais c'est pas une hache, c'est un objet de musée. Je crois que la fable est facile à comprendre. Très bien. Bon, ben, en tout cas, c'est une belle fable pour cet entretien. Donc, encore une fois, j'ai appris tellement de choses en t'écoutant. Merci infiniment, Pierre, et au plaisir de te revoir à Berlin. Ben, j'espère. Potsdam, Berlin, Abdelsdorf. Abdelsdorf. Das ist alles hier. Auf Wiedersehen.